Bonjour, on va traiter un exercice de nombres complexes. Choisir l'appartenant à C, C c'est l'ensemble des nombres complexes, tel que son module est égal à 1. On va calculer z-1 au carré plus z-1 plus z plus le module de z plus 1 au carré. Et on va interpréter géométriquement le résultat obtenu. On a module de z est égal à 1, il est équivalent à z de la forme exponentielle et theta, ou theta appartenant à 1. Donc, z moins 1 au carré plus z plus 1 au carré est égal exponentielle et theta moins 1 au carré plus exponentielle et theta plus 1 au carré. Qui est égal à 1, qui est égal. On va multiplier à l'intérieur, on va multiplier par exponentielle. Bon, à l'intérieur, on peut écrire exponentielle et theta. On va multiplier. Et on va multiplier, on va diviser en même temps. Donc exponentielle et theta moins 1, on va la multiplier par exponentielle moins et theta sur 2 sur exponentielle moins et theta sur 2 au carré plus exponentielle et theta plus 1. On va multiplier par exponentielle moins i theta sur 2. Et on va diviser par moins i theta sur 2. Donc, on aura exponentielle i facteur du theta moins theta sur 2 moins exponentielle moins i theta sur 2 sur exponentielle moins et theta sur 2. Plus, la même chose ici, exponentielle et theta moins theta sur 2, plus exponentielle moins et theta sur 2, sur exponentielle moins theta sur 2. Au carré, pardon, nous avons ici au carré, le module au carré. Donc, il est égal theta moins theta sur 2, si theta sur 2. Donc, exponentielle et theta sur 2 moins exponentielle moins et theta sur 2 sur exponentielle et theta moins exponentielle et theta sur 2. Au carré plus exponentielle et theta sur 2 plus exponentielle moins i theta sur 2 sur exponentielle moins i theta sur 2. Le module au carré. Pardon. Le module d'un rapport, c'est le rapport du module, donc il est égal exponentielle et theta sur 2 moins exponentielle moins et theta sur 2, pardon,
sur le module de moi I theta sur 2, pardon, le tout au carré, plus module de I theta sur 2 plus exponentielle moins I theta sur 2 sur module de l'exponentielle moins I theta sur 2, le tout au carré, qui est égal au module de l'exponentielle I theta sur 2, c'est 1. Donc on aura exponentielle et theta sur 2 moins exponentielle moins et theta sur 2 et donc sur pardon au carré plus exponentielle et theta sur 2 plus exponentielle moins et theta sur 2 au carré qui est égal. On va diviser par 2 on va diviser l'expression par 2 et on va multiplier par 2 donc on aura 2 facteurs de l'exponentielle et theta sur 2 moins pardon moins exponentielle moins et theta sur 2 sur 2 plus exponentielle et theta sur 2 plus exponentielle moins et theta sur 2 multiplié par 2 au carré. Donc on aura facteur exponentielle et theta sur 2 moins exponentielle theta sur 2 d'après les formules de l'air est égal à cosinus, donc, est égal à sinus de theta sur 2 au carré plus 2 au carré cosinus theta sur 2 au carré. Valeur absolue. Donc est égal à 4. Donc c'est 4. La valeur absolue 2. Valeur absolue au carré. Bon, la valeur absolue du x au carré, c'est la valeur absolue du x au carré. Donc c'est sinus carré theta sur 2. Plus 4. Cosinus carré. Theta sur 2. Comme sinus carré est positif, alors son valeur absolue est égal à lui-même, donc 4. La même chose pour cosinus. Donc il est égal à 4. Facteur de 1 plus, pardon, facteur de cosinus du sinus carré theta sur 2 plus cosinus carré theta sur 2 qui est égal à 4 multiplié par 1 qui est égal à 4. Donc z moins le module z moins z le module du z moins 1 au carré plus module de z plus 1 au carré il est égal à 4. Voilà pour les calculs. Maintenant, on va interpréter ce résultat géométriquement. Interprétation géométrique. On pose M le point d'affixe Z. Pardon. A d'affixe 1.
Bida fixe I, pardon, B. Da fixe moins 1. Bon. M A au carré plus M B au carré est égal à Z A moins Z M, pardon. Module plus Z B moins Z M au carré qui est égal à Z M moins Z A au carré plus Z M moins Z B au carré qui est égal Z M 6Z moins Z A C 1 au carré plus Z moins moins 1 au carré qui est égal à Z moins 1 au carré plus Z plus 1 au carré. Et on a pour le complexe Z du module, bon, avec module du Z, pardon, est égal à 1. Bon, pour le complexe Z du module Z est égal à le complexe Z du module 1, on aura, d'après les calculs qu'on a fait dans la première partie, donc il est égal à 4. Donc, MA au carré plus MB au carré est égal à 4. 4, c'est 2 au carré. Donc, l'ensemble du point R n'est autre que le cercle de centre, le milieu de segment AB, donc équivalent, pardon, à M appartient au cercle de centre, par exemple H, et de rayon 2, où ZH est égal à ZA plus ZB sur 2 qui est égal à 1 plus moins 1 sur 2 qui est égal à 0. Donc si est égal à 0, si 0, donc si le point, donc H, c'est le point ou le rejet de repère. O est le milieu de segment A, B. Voilà. Donc, si le complexe Z du module 1, alors Z moins 1 au carré, le module du Z moins 1 au carré plus le module du Z plus 1 au carré est égal à 4. L'ensemble des points d'affixe Z que vérifier c'est égalité si la droite, si par exemple le cercle de centre H et de rayon 2 au ZH, au H c'est le point O. Avec O, normalement le rejet de repère, et il est aussi le milieu de segment AB. Merci pour votre attention. À la prochaine.